En Europe, le seul OGM autorisé en 1997 est un maïs produisant un insecticide. On l'appelle maïs BT. On a inséré dans ce maïs des gènes de microbes. Le maïs BT est toxique pour les pyrales. Les pyrales sont des insectes dont la larve est un ravageur du maïs. Pour fabriquer un maïs BT, c'est beaucoup moins précis qu'on veut nous le faire croire. Il faut un maïs, évidemment, deux bactéries et un virus. Déjà, on ne prend pas un maïs entier, mais des cellules de maïs. Ensuite, il faut fabriquer un transgène. C'est un collage de gènes qu'on veut ajouter dans l'ADN du maïs. Le premier gène vient d'un bacillus thuringiensis. C'est ça le BT. En fait, c'est une bactérie insecticide utilisée par certains agriculteurs. Cette bactérie fabrique des protéines toxiques pour la pyrale. On prend le gène correspondant à cette protéine toxique. Le deuxième gène vient d'une autre bactérie qui vit dans notre intestin et qui résiste aux antibiotiques. C'est le gène de sélection. Le troisième gène, c'est celui du virus de la mosaïque du chou-fleur. C'est un gène qui permet de s'intégrer dans l'ADN. On colle ces trois gènes, on dépose un brevet sur le transgène et on le multiplie. Alors maintenant, il faut envoyer ces transgènes dans les cellules de maïs. Pour cela, on prend des petites billes et on colle les transgènes dessus. On charge le fusil et on tire sur les cellules de maïs. Si on a de la chance, quelques billes vont rentrer dans les cellules de maïs, bien dans le cœur. Et de là, le transgène peut aller s'incruster dans l'ADN du maïs. Il se met quelque part, mais on ne sait pas vraiment où. C'est problématique, parce que ça peut perturber le fonctionnement du maïs. Là, on ne maîtrise pas grand-chose. Pour savoir si l'opération a réussi, on verse de l'antibiotique dessus. Rappelez-vous, le transgène contient un gène de résistance aux antibiotiques. Donc si une cellule de maïs survit, c'est que la modification transgénique a réussi. Cette cellule de maïs contient donc bel et bien le gène de la bactérie BT. Maintenant qu'on a cette cellule de maïs OGM, il n'y a plus qu'à faire un maïs entier. Le gène BT se trouve partout, même dans les graines. Dans les champs des agriculteurs, ces maïs OGM fabriquent des protéines BT pendant toute la durée de leur vie. Il y en a dans les tiges, les feuilles, les épis et même dans les racines. Quand les larves des pyrales ont été tuées par ce maïs insecticide, la protéine BT continue d'être fabriquée. En réalité, cette protéine BT n'est pas toxique que pour les pyrales, mais pour tous les autres lépidoptères qui ne sont pas des ravageurs du maïs.